pense que ce brave homme, il doit encore avoir quelques mois de formation pour arbitrer au plus haut niveau. Je crois que c'est son deuxième match, on m'a dit qu'il arbitrait en L1. Bon, c'est un peu dommage sur un match à 65 000 spectateurs hein, qu'il puisse y avoir un choix comme ça, une désignation pareille. Mais bon, il a été mauvais, ça arrive d'être mauvais. Je pense qu'il y a deux problèmes aujourd'hui dans le foot français. Bon, en dehors du déficit qui existe dans la L1, bon, c'est les pelouses et certainement notre niveau d'arbitrage qui n'est pas au niveau sur un match comme ça. Vous pensez bien que ces décisions qu'il a prises en âme et conscience, moi je ne critique pas, il s'est gouré, bon, il n'est pas bon, ok, ça va, mais ça pourrait faire dégénérer ce genre de match. Alors que c'est un match qui s'est déroulé sans problème, bon, avec deux publics qui se répondaient, mais ça c'est logique. Ça fait partie du fun, mais à 52e, le match était fini. C'est comme ça, c'est dommage, mais je ne peux rien y faire.